As-tu vu la grandeur des arbres? Waouh! Waouh! Mais où suis-je? Ils sont énormes. Je me suis arrêté à un endroit caché. Chanceux, hein? Gratuit, caché. Où on peut camper. Il y a du beau gravier rose à mes pieds. Du gravier rose, puis du basalte, puis du quartz rose. Un beau mélange. Les arbres sont fantastiques. Je me dirige vers la baie Georgienne des Grands Lacs. Hein? Quoi? La baie Georgienne? Oui, oui. À partir du nord. Je suis descendu au sud. Ben oui. Mais du côté ouest, en Ontario. C'était l'endroit le plus loin possible selon mes moyens du bord. Et bon, j'étais le plus loin possible au sud. Au sud-ouest du Québec, pour être exact. Jusqu'en Ontario, à l'autre petite province. Et j'ai choisi le plus bel endroit géologique. Géologique. Et vous allez le découvrir avec moi. C'est le côté le plus à l'est. Il me reste 45 minutes, mais tu vois, ce coin-là, je le garde en mémoire. Si jamais au camping, il y a trop de monde, là, ça veut dire que je peux venir ici aussi. Là, c'est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Peut-être au fond, il y aurait de l'ombre. Là, il y a une petite chose de feu, mais il est proche des végétaux. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis direct sur le gravier, mais bon. Je suis quand même content d'avoir trouvé cet endroit. Hein, c'est le silence total. C'est chaud, par exemple. Je vais me mettre à l'ombre puis je dors, mais je dors ici. Je serais bien. C'est des beaux quartzites bien roses. Il y a beaucoup de montagnes qui sont roses. Je ne sais pas si c'est quelle sorte de pierre aussi. On va analyser ça. Où est-ce que je me dirige? Il y a des beaux sentiers dans la montagne. C'est juste que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde, je ne dormirai peut-être pas, moi. J'ai la misère à dormir, tranquille. Je suis fatigué. Hey, c'est long, aller jusqu'au Grand Lac. Oh my God! Ça fait des années que je veux y aller, des années. Puis là, ben, en auto, je resterai pas trop longtemps. Je vais avoir un endroit pour dormir dans mon auto.
Aussitôt que tu parles d'une réserve naturelle, c'est tout aménagé, c'est propre, c'est beau, t'as pas de tout. Killarney. Le village de Killarney. Expérience différente dans Georgian Bay, la baie georgienne. Tout près d'ici, un autre monde sur la baie georgienne. C'est magnifique. C'est des rochers comme ça, tout rose, comme qu'on a vu. L'eau est bleu-verte. Puis c'est bourré d'animaux. Puis dès mon arrivée, j'ai vu des castors, des toutes sortes de choses. Il y a des sortes de serpents. Des beaux papillons lunes. Des beaux oiseaux. Les plantes, une plante que j'ai vue ici qui était différente du nord. Ah, c'est ça, c'est même pas les mêmes arbres que chez nous, là, mais bon. Ça, c'est un chêne. Ça poussera jamais en subarctique, ça. Bon, il y en a ici, ils vont regarder ça, ils vont dire, mais là, c'est commun. Ça dépend toujours de la région d'où on vient. Pour moi, c'est peu commun. J'ai l'impression d'être dans les tropiques, alors que c'est écrit partout qu'on est dans le nord. C'est écrit, vous êtes dans le nord. Ah ouais, c'est plein d'ours, c'est marqué danger, ours, danger, danger, danger. À date, le seul ours que j'ai vu sur ma route, ben, il était dans le chemin, puis il était mort. Comme d'habitude, premier animal que je vois, digne de ce nom, ben, il est mort. Il y a des toilettes. Alors, ça, c'est un espace, là. Je suis juste dans l'entrée, là, des visiteurs. Ben, je voulais un café, mais c'est fermé. Évidemment, je veux un café. Ah, fait que là, le matin, on se gêne. Le jour, on crève de chaleur. Je veux un café. C'est froid. Oh. Pensez-vous qu'il y a des cafés à l'accueil? J'ai vu ça quand j'étais à la mosquée. Ah, il y a peut-être des belles roses ici aussi. C'est fermé, c'est ça. No pets. Ça, les gens commencent à avoir trop chien. Mais au nord, on n'est pas rendu là. Je trouve ça de valeur. Surtout que tu vois, dans la nature, ça crie, ça pollue. C'est un autre monde. Les gens sont agressifs, sont criards. Puis ils respectent pas leur. Il y a des très beaux coins au nord, mais c'est. Ouf. C'est pas des endroits respectés. Il y en a qui mettent le feu. Tu mets quelque chose à vous, puis après ça, ils mettent tout le feu. Pour... Je suis sûr que c'est fermé. Là, c'est fermé. À quelle heure ça ouvre? Ah, c'est écrit ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 8h30. C'est bien tard, ça. Moi, je vais aller me mettre un manteau dans le port, je vais me promener. Oh my god, je veux du café. J'ai des machines à café. Oh, les vitres sont pleines de traces de doigts. Table of content. Je vais aller me chercher des dépliants aussi, mais quand ça va ouvrir. Juste pour montrer un peu les facilités. Là, t'as un petit toit, même s'il pleut des bains. T'as un évier. T'as même un miroir pour checker si ta face est correcte. J'en mets bien. Tout propre. National Snake Show. Oh my god. Aïe aïe. Le serpent d'eau vénéneux. Puis allez, le monde joue avec ça. C'est vénéneux. Pas comme une petite couleuvre là.
paix géorgienne. C'est de l'eau de la paix géorgienne. Alors, allez voir ça, c'est sérieux ça. Il y a l'engrais. Sombre aussi par là, on devrait avoir. Ah, il y a de la brume. Ah, j'aime ça, la brume du matin. Hey, c'est une zone où c'est autour de la baie géorgienne, mais il n'y a pas tant de plages que ça. C'est la partie malheureuse, qu'il n'y a pas beaucoup de plages. Sauf que tu as le lac Georges, qui est un petit lac collé, qui provient aussi des anciennes mers, mais c'est un petit lac. Puis lui, il y a une plage. Sinon, pour aller à la mer, c'est de l'ancienne mer, hein? Pour aller à la mer, il faut un canot. Faire le tour. Faut pas être trop loin. C'est immense. Ça prend un petit bateau. Moi, je conseille un petit bateau. Puis des bons running. Si tu veux monter sur les roches. Moi, pour les roches, je suis correct, mais c'est parce que j'ai pogné un buisson, puis hier, je me suis pété les genoux. Fait que c'est pas long. Peut-être en arrivant. Ma jambe est restée prise. Ah, on va aller voir ça. Hey, c'est une plage, ça. Mais là, c'est ça, c'est ça. C'est une baie avec une rivière. Un ruisseau lié à la baie. Oh. Des petits ronds en surface. La vie là-dedans. Que c'est beau. Que c'est paisible. Oh my God. Oh. Paradis. Il y a quoi qui se promène au bord, là, puis qui fait un dessin, là, peut-être une grenouille. Regarde ça, c'est beau. Puis là, il y a un ruisseau, là. Le ruisseau, tu vois, il y a un barrage, là, là. Ça mène où il y avait les castors tantôt. C'est un petit ruisseau, mais c'est lié à la baie. OK, c'est bon. Il y a beaucoup d'aventurines et de quartz. Surtout d'aventurines, franchement, là. C'est impressionnant. Tu vois, aventurines. C'est des quartzites, si tu veux. Aventurines. Tu peux facilement t'en faire. T'en faire un bon petit sac. Une petite poignée pour décorer un pot, quelque chose. C'est très joli. Il y a des endroits aussi où on voit que l'aventurine a été cassée. Alors, c'est un site algonquin aussi. Un endroit aussi, il y a des peintures rupestres, mais ça, on peut y aller juste en bateau. Alors, c'est très intéressant au niveau des pierres. J'ai pas vu de calcédoine, mais. Je sais qu'il y en a, mais là, tu vois, c'est tout concassé, rempli d'aventurines. Je sais pas si c'est du gravier qui a été rajouté. Pas toutes, parce qu'il y en a qui sont rondes. Elles sont bien rondes.
naturelle. Aventurine. Il y a des très grosses aussi. Grosse, grosse, grosse aventurine. Alors, cachez-la. Il y en a une autre là. Je les enlève pas parce que c'est plate quand il n'y a plus de cailloux parce que tout le monde les prend. Bon, faut que je travaille mon équilibre là. Là, je vais juste analyser après ma barre. Encore des aventurines, des quartzites. Ça, c'est différent. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça. Penser un bois fossile, mais pas tout à fait un jaspe, un mélange. Hello.
une sorte de jaspe. Assez unique. Des pierres un peu uniques à la région. Des pierres uniques à la région, comme on l'a vu. Aventurine verte aussi. Plus dur à trouver ici puis ici, tu vois. Aventurine verte. Ça ressort des petits ruisseaux dessous les montagnes. Vois-tu d'autres des aventurines vertes? Elle est pas verte, mais belle. Tout petit. C'est tout bon. Contre-jour, on voit mieux.
Regarde. Une fourchette en bois. Ça paraît même pas quand ça se ramasse dedans. Ça vaut même pas la peine de ramasser. Les enfants qui ont joué. Bon. Ah, il est 6 heures. Le temps passe lent. C'est lent à attendre. Je vais aller avoir un café. Bon, je vais aller. Je vais aller voir ce que je peux faire, ce que je peux déjeuner, ce que je peux boire comme café à quelque part. Non, regarde attentivement, on se rend compte que c'est pas tout à fait du gravier ordinaire. Un petit jaspe, regarde, il est pas mal cute. Ma réserve naturelle, on sait pas, mais pas les déchets, hein? Je vais ramasser ça. Attends, il y a des poubelles partout, tout le long. Ah, c'est bourré d'aventures. Bourré. Déchets bourrés. Ça va ouvrir, ça s'ouvre pas ça. Depuis quand qu'on ouvre pas, qu'on met des portes qui s'ouvrent pas. Ah ben, je l'aime pas ce poubelle là. Allez voir ça. Ah, que c'est paisible. C'est paisible. C'est pour ça que c'est bien de se lever tôt.
T'es sauvé par le gars des vues. T'es gentil, hein? T'es à ta maison, c'est là, c'est pas sur moi. On dit merci, merci Zayanzik. Oh, t'es gêné? On va le laisser se remettre de ses émotions, puis se nettoyer. Hein? À bientôt. Bye bye. Toujours beau, ça. Toujours. Je pensais que c'était des roses. Pas des roses sauvages. Rouge. Ah, oh, c'est de la confiture. Moi, ce que j'aime faire, tu prends ton pain, tu mets tes patates brunes hash brown dedans, ton œuf, il y a deux œufs, oh. Un œuf, deux petits ketchup. J'ai dit, je voulais pas de sandwich, je suis en train de m'en faire. Ketchup. Mets juste du hash brown, si tu manges pas d'œufs, ça va être bon aussi. Mais t'oublies pas le ketchup. Là, tu manges ça.
Abonne-toi.